Salut les amis, salut tout le monde, bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les jeunes Guinéens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester très courtois dans vos commentaires. Le 3 juillet dernier, par voie du CIE, Ousmane Gawal Diallo et un certain Lamaranar Petit Diallo ont signifié à Foudé Oussou Fofana que son président Selloum Daleng Diallo est exclu de l'UFDG. Dans sa signification, l'huissier laisse comprendre que Gawal et Petit agissent à la requête des cadres militants et sympathisants de l'UFDG. À la copie de la signification que Réveil d'Afrique a reçue et jointe une copie de la tribune des cadres militants et sympathisants de l'UFDG, dans laquelle tribune les membres de l'UFDG constatant l'absence de Selloum Daleng Diallo du pays depuis le 3 mars 2022, la diffusion d'une vidéo intime de Daleng montrant des actes contraints aux valeurs morales du parti, des actes, comportements et propos de Selloum Daleng qui ont motivé l'exclusif et l'exclusion de Selloum Daleng Diallo de tout poste de responsabilité avec effet immédiat. Il est également joint à la copie de la signification une liste de 900 membres intitulés des membres de l'UFDG qui demandent le départ du parti de Selloum Daleng Diallo. Et bien que les amis, on ne comprend pas réellement le jeu de Ousmane Gawal Diallo, mais la réaction de Doumbouya est propre. Il veut éloigner tous ses adversaires politiques et il sera candidat à la prochaine élection, ne soyez pas surpris. Et bien les amis, c'est ici que prend fin ce tout petit bulletin d'information. Restez abonnés, restez à la chaîne. Partagez si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.